2003, le concept, 2006, ouais. La version de série, donc ça c'est une version de série de 2006-2007. Donc c'est vraiment aujourd'hui la matrice esthétique du style Alfa Romeo, c'est celle qui inspire, on va dire, toutes les, tous les modèles qui institutionnait, voilà, moustache, voilà, les phares sous globe, les feux arrière ronds, tout ce qu'on retrouve sur la Mito, que l'on retrouve sur la Giulietta, revue et corrigée, que l'on retrouve sur la 4C. Non, voilà. Donc les feux ronds qu'on retrouve complètement sur la Mito aujourd'hui, qu'on retrouve sur la 4C, pas sur la Giulietta, encore que. De façon stylisée. Oui, de façon stylisée avec le. Voilà. Vraiment, l'apologie de la sportivité, selon Alfa Romeo, eh bien, elle est là aussi pour être une feuille de route. Et la tiens, tu la tiens, je sais pas. Comme Nouveau Lal l'a été en son temps pour la génération 156-145, comme Proteo l'a été aussi précédemment. Tu vois, alors là, la 8C et la feuille de route. C'est taillé dans un bloc d'aluminium, et ça, on le sent. Non, ce qui est génial, c'est que ça n'a pas vieilli. Non, ça, ça n'a pas vieilli. Là, c'est parce que... En fait, le concept qui était très proche de la version de série, c'est 2003, c'est plus dur. Et cette voiture est d'une actualité incroyable. C'est phénoménal. Non, mais elle n'a pas priori, non. Ah, la pédale de frein, c'est comme dans les Bentley, mon vieux. La pédale de frein, c'est rien que ça, c'est une pièce. Il devrait y avoir, pas encore tous les détails à vous donner, mais j'espère que j'aurai l'occasion de vous la faire conduire, parce que ça vaut le coup. Je peux te faire une confidence? Moi, je la trouve plus belle qu'une Ferrari. Je suis subjectif, mais je suis de ton avis. Mais c'est vrai, hein, parce que je la trouve, les Ferrari sont tellement superlatives qu'elles mettent une distance, je trouve, entre... Et puis elle est petite. Ouais. Ce qui est petit et beau. Marrant, hein. Non, c'est drôle, tu sens que c'est... Toujours pas de direction assistée. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Enfin, voyons. Alors moi, ma grande critique... On pourra quand même avoir les petits feux. On pourra avoir quand même les petits feux en option ou c'est fini. Ah oui. Parce que moi, je préfère les petits... On pourra avoir les feux... Mais toi, t'aimes bien les petits trucs murmureux. Ah, j'adore. Tu verras qu'en collection, dans 20 ans, je prends les paris. Tout le monde dira qu'il vaut mieux l'avoir. C'est comme les feux boomerang de la Maserati. Les avis sont plus partagés que ce qu'on pouvait imaginer. Juste que je comprenne, parce que je t'ai, le toit il est comment et on le met où? Alors c'est un système de capote en toile. Ah, c'est une capote en toile, voilà, donc avec les systèmes de fixation ici où on... Ça veut dire qu'on se fait chier pendant un quart d'heure. Un peu moins. Encore testé, donc je peux pas dire. Non, mais c'est pas un panneau. C'est pas un simple panneau. Donc tu fixes là, tu fixes au centre, tu fermes. Mais c'est un panneau de tissu ou c'est un tissu souple? C'est tissu souple. Ah oui, oui. Et alors tu auras disponible prochainement aussi un système avec un toit carbone. D'accord. Et la capote, on la met où alors? Devant? Dans le coffre, dans une housse. Ah oui, d'accord. Et elle n'est pas là, on ne peut pas regarder. Les États-Unis sont. Les clignots là, c'est pour les normes US. Ouais. Moi, j'ai un truc canon. Derrière là. Ça, il n'y avait pas ça sur lui, forcément. C'était ce petit. Parce que le toit allait directement jusqu'à la berge Paris. Donc, on a l'entrée. Combien d'exemplaires en France? Bon, écoute, on espère en avoir une bonne centaine quand même cette année. La 4C, vous en avez vendu pas mal aussi. On en a fait 130 l'année dernière. J'aime bien, on en a fait. Ça fait un peu comme la production de cognac, tu sais. On a fait nos 13 000 litres. Mais on aurait pu en faire beaucoup plus, parce qu'on était quand même rendu à plus d'un an et demi de délai. Non, mais ça, pour moi, ça, c'est Alfa Romeo dans toute sa splendeur. D'ailleurs, je vois sur tous les blogs anglais et tout, est-ce que la 4C, c'est marrant, on va monter après. En gros, la questionnement sur l'arrivée de la Giulia, c'est est-ce que la 4C aura été le bon indicateur pour la suite d'Alpha? Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau ou est-ce que toutes les Alphas vont avoir ce caractère, cette émotion, voilà. C'est ce qu'il se dit, cette voiture, au-delà de la beauté du geste, c'est avant tout une feuille de route. Ouais, mais moi, donc, elle me va. Légèreté, style, sportivité, c'est vraiment le principe qui, normalement, devrait être sur les futurs.